de bouclier qu'on ait spécialement designé pour le marché civil. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le bouclier, c'est quelque chose qui est utilisé uniquement par les forces spéciales, le RAID, le GIGN, etc. Là, on a designé un bouclier en classe 3A, donc qui est capable d'arrêter tous les calibres d'armes de poing jusqu'au 44 Magnum, qui est capable d'arrêter les coups de couteau, qui est capable d'arrêter les coups de barre de fer, qui est capable d'arrêter les coups de hache, etc. Et qui est spécialement designé pour être très très compact pour la défense du domicile. L'idée, c'est que bah, si vous êtes réveillé en pleine nuit d'un coup, bah, vous avez ici juste à passer votre bras là, saisir le bouclier, et vous avez ici une surface de protection qui vous permet de protéger votre corps, qui vous permet de repousser quelqu'un, qui vous permet éventuellement de pouvoir utiliser une gazeuse, une lampe strobe, etc. ou autre chose si vous avez à votre disposition, tout en étant protégé. L'avantage, c'est que là, on a une surface sur ce modèle-là là, qui est complètement défoncée. C'est parce qu'on a fait des tirs de vérification où on a mis jusqu'à 30 cartouches de 9 mm dedans. Donc là, le bouclier a pris 30 impacts. Il n'y a évidemment rien qui a traversé. Et de la même manière, on a la possibilité ici, hein, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose. Il y a mon bras qui est derrière, on est d'accord. Voilà, mon bras va très bien. Et on voit que rien n'a traversé. Rien n'a traversé. Là, on peut retirer la mousse de protection. Il n'y a absolument rien qui est traversé. On a également mis un tir de chevrotine 9 grains à 3 mètres. Et pareil, au fusil à pompe, hein, bien sûr. Et il n'y a rien qui est passé. Donc ça, c'est un produit qui va sortir à 495 €, qui va être accessible aux particuliers pour la défense du domicile ou autre chose, hein, comme il veut. Et qui, à ce moment-là, bah, voilà, va être quand même une innovation dans le sens en matière de produits balistiques accessibles au grand public. Voilà.